Vraiment, assois-toi, ma fille. Je suis très content de ta présence. Vraiment, merci, oncle. Tu sais, depuis le décès de votre papa, mon grand frère, c'est toi seul qui m'envoie de l'argent. Vraiment, merci, oncle. Et ton frère, Kwagbazala? Il devait être là, normalement. Oui. Il devait être là. Attends, je vais l'appeler. Okay. Il est sorti aujourd'hui avec son ami. Que toi, tu veux pas changer, quoi. On a pris le truc ensemble. Et au lieu de le prendre ensemble, toi, tu as commencé par consommer avant moi. Chacun sa dose. Mon frère, ça va? Non, il faut que tu complètes la dose. Ça va seulement 4 verres. Hein? 4 verres. Le reliquat d'hier. Attends. Tu as quoi? Ce qui t'appelle en ce moment, hein? C'est un moment, toi, tu veux payer un verre, là, va t'appeler. Oui, allô? Allô, oncle? Oui, c'est ton oncle. Oui? Vous avez besoin de moi à la maison? Oui, c'est papa. Quoi? Mon petit frère, là. Et ton petit frère, là, il est venu de l'Europe. Abyss, oui, Yewang. Viens. Je dis de venir. On va parler. Même ta soeur aussi est là. Nous allons parler. Il faut venir. Tu as compris? Dites-lui que je viens déjà. Dans 2 minutes, je serai là. Merci. Il va venir maintenant. C'est pas ce que tu as l'habitude de faire. Tu me laisses payer les verres. Pourquoi je vais payer ça. L'argent qui vient là. C'est pas ça là. L'argent vient. Mon petit frère qui est en France est déjà là. Le rassemblement, ce qui veut dire que, afin de passer là, on va régler ça. On va régler ça. Mais à ça, passer de ton père là. Et je te dis, arriver là-bas, vendre. Il faut attaquer les yeux qui, comme ça. On doit vendre ça. Tu es en train de parler comme tu ne connais plus. Et il faut venger. C'est moi l'aîné de la famille. C'est fini. C'est ce que j'ai dit. Qui vont faire? C'est ça. Il faut qu'on vende ça. Hein. Oui, oncle. Ah, quoi ça? Oui, oncle. Ça va? Ça, très bien. Vraiment, je suis content que tu sois là. Bonjour, oncle. C'est qui celui-là? Le seul ami que j'ai actuellement. C'est un escapero. On parle d'une affaire familiale et tu fais venir un ami. Monsieur, dégagez. Quoi ça? Oui, l'escapero. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Ah, comment j'ai oublié ça? T'inquiète, je vais gérer ça, hein. N'oublie pas, hein. Jamais, je vais gérer ça. Oui. Depuis le décès de notre papa, mais mon grand frère est devenu quoi? On dirait un soula. Mais c'est sérieux. Fifa, mais... Papa. Va chercher une chaise pour ton grand frère. Grand frère? Okay. Tu es notre grand frère, tu fais ça? C'est pas bien. Bon, Baza. Oui, oncle. Sois le bienvenu. Oui, merci beaucoup. Ton frère est venu de l'Europe pour une situation très importante. Tu avais évoqué entre-temps la vente de la parcelle familiale. Mais c'est ça. Oui, tu m'as demandé de rentrer à cause de ça. Oui, c'est ça. Voilà c'est ça. Que je suis là actuellement, grand frère. Ok. Et merci beaucoup, oncle. Oui. Vous nous avez fait appel parce que je l'avais demandé. Et à cause de ça, mon petit frère a quitté l'Europe pour ça. Oui, ça. Oui. C'est très bien. Je pourrais faire ce que j'imaginais derrière lui. Si je ne les considère pas. Ouais, ils sont un peu nombreux. Hein. C'est pas moi. J'ai au moins 2 et 3 garçons en arrière et 2 filles. Nous sommes 6. N'oubliez pas ça. Et c'est moi l'aîné après tout. Et c'est ce que moi je décide là. Qu'on doit faire. Non, grand frère, arrête de dire ça. Nous avons des sœurs qui sont là. Voilà notre petite sœur, elle vit dans la maison. Et si on vend la maison, comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Il faut penser à nos soeurs. Après tout, c'est moi l'aîné de la maison et je sais que. Grand frère, si vous. Vous en avez, non? Grand frère. Prenez-les en charge. Grand frère. La maison serait à vendre. Grand frère, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire là. C'est sur eux. Elle me parle aussi. Hein. Oh. Bon bazar. Je suis à la place de votre père. Mais je refuse pas. Je ne peux pas vous mentir. Vous êtes témoin. Notre papa a demandé de ne pas vendre la maison. Oui. Depuis... C'est depuis ça. Quand il était en vie. Bon, Baza,
Oncle. Cette maison familiale ne peut être vendue. On va vendre ça. Donc tu tiens à ta promesse. Vous dites, vous êtes juste oncle pour nous, non? C'est pour notre papa à nous. Grand frère. Et je suis le aîné. Grand frère, si mon petit frère. Si tu as besoin d'argent, je suis prêt à t'aider. Je ne veux même pas ton argent. Je suis prêt à te donner au moins 5 millions pour commencer quelque chose avec ça. Au fait, frère, faut dire oui. J'ai pas besoin de l'argent et après on va me dire c'est moi qui l'ai fait ci, c'est moi qui l'ai fait ça. Moi, ma seule problème que j'ai ici, là, c'est de vendre la maison ou rien. Non, grand frère, je suis sérieux là. On va pas vendre la maison. Ah, je suis d'accord. On ne va pas vendre la maison. Donc, je viens de parler et mon président s'est levé en première position. Est-ce que tu es sérieux là? Mais pourquoi tu es sérieux là? Est-ce que tu es sérieux là? En tout cas, encore. C'est bon. Je dis tout à l'heure. Et. Pas bazar. Tu dois écouter. Oncle. Oui. Je suis en train de parler et moi je suis toujours assis. Et eux sont, ils se sont levés, ils sont partis. Oui. En oubliant que les papiers du terrain, les papiers de la maison, c'est avec moi. Je vais voir ça. Si c'est 200 000 euros, si c'est 100 000 euros, je le mets ça. S'il ne veut pas, je prends ça encore. Et c'est ce fini. N'est pas une bonne chose. Oncle, moi je vends la maison. Je suis à la place de toi. Quoi que ça? Je vends la maison bien. Quoi que ça? Je parle et tu t'en vas. Ça, il veut vendre. Ça, il veut vendre. Qui met ma bise à bise là? L'oncle, il le voit comme un risque parce qu'il est parti à ça. Il grossit. Il se grosse. C'est ça qu'on va voir ici. Oui, allô, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, merci beaucoup. Au fait, le carré dont on avait parlé là. Oui, mon frère qui était en Europe, il est descendu de là et lui, avec nos frères et sœurs, ils sont tous d'accord pour la vente du carré. Et ils ont même déjà signé, le papier est prêt. Donc, vous êtes venu avec l'argent maintenant. Vous venez avec l'argent. Merci beaucoup. Tout à l'heure. D'accord, alors, dans une heure. C'est très bien. Je serai dans la maison, vous verrez. Merci beaucoup. On dit à Jean et puis Jean de dire quoi. Venez regarder simplement. Bon bazar! Nescafirou! Mon frère de sang! Comment? Ça va très bien. Et après, Babeteka, je t'ai plus revu. Non, mais quand tu m'as appelé, je sais que c'est passé là de bonnes choses. Je veux te faire une surprise parce que. Vraiment? Nous devons aller ensemble pour voir. On va au QG là. Quel QG? Moi, j'ai déjà fini avec l'histoire de QG depuis. C'est pas. Tu me vois pas? C'est comme ça que je m'habille avant. Mais j'ai des projets. Des projets? Oui. Ah ok. Mon frère, toi aussi. C'est quoi? Oui. C'est quoi? C'est ma voiture. Quoi? Oh Nesca, oh, t'inquiète. Mon frère réussit la vie alors. Hé, hey, c'est pour nous deux. Wow. T'inquiète. On a soufflé ensemble. iPhone. Oui, tous. Et 13. Seigneur. Voilà. Ah, tu me suis. Maintenant, je vais continuer d'utiliser. Je vais te changer un petit peu dedans. Mon frère, comment ça? Nescapiro. Non, à voir tout ce changement-là, j'ai compris que tu as reçu une grosse somme dans l'argent de la vente du passé de ton papa. À quoi intérieur, c'est donné? Wow. À quoi? Si tu vois l'argent-là, tu vois un peu. Et c'est avec ça que je suis en train de faire mes réalisations. Ah, ok. Ah. Oui. C'est quoi? Vous n'avez pas commandé de moi, j'ai mangé. Hein. Oh, bon, en fait, chérie, tu as déjà lancé ta commande. Ok, bon, mon frère, voici la zone. Oh, laisse affaire de nourriture là d'abord. Il a quelque chose qui m'échappe. Les deux portables là, c'est pour toi seul. Ah. iPhone, là, moi, d'ailleurs. C'est le 13 pour masse. Ok. Et ça, c'est pour moi. Ah. Belle enfant, chérie. Et c'est quel iPhone? La seule. Oui, c'est l'iPhone 12 pour masse. Ok. C'est pour ma chérie. Ah, mon frère. Ouais. Je continue d'utiliser à tous. Hein. Oublie ça, tu auras ton portable. À moi. Nous sommes des amis de longue date. Je te dis, tu auras ton portable. Ah, mais j'espère que tu as payé une parcelle dans l'argent aussi. Afin de passer là, c'est dans mes dernières réalisations. D'accord, mais on est là pour tout le monde. On a ses vivants. Donc si je comprends, tes réalisations sont la voiture que tu as payée, voilà. Les iPhones et les bars, les soirées. C'est ça ou rien? Je dépense quoi? Quoi d'ailleurs il faut te dépenser? Mon frère! T'inquiète, on est tous ensemble. Oui. Hmm? D'ici peu de temps maintenant, je vais voir comment te gérer. Hmm? Et mon ami. Hein? Ok. Surtout mon frère Wawaza. Il ne faut pas m'oublier. Comment moi je peux oublier
un ami comme Nescapiru. Qui dit Nescapiru, mais dis pas ça. C'est ça. Maï, maintenant, on monte au courrier. Quoi? Donc, bientôt, tu vas avoir une voiture aussi. Voiture, qu'est-ce que tu as? Je vais te prendre un bon portable. Donc, tu vas m'acheter un iPhone aussi? Je vais te prendre un portable iPhone 13 Pro Max comme toi. Merci. Merci. Oh. Merci, mon frère. Merci. C'est toi, Nescapiru, hein? Chez! Hey, Dieu va descendre et te bénir. C'est que? Hey, si tu sors comme ça, la goutte va te dire ce vin. Ah oui. Lève-toi. Merci, mon frère. On est ensemble. L'argent, c'est pour toi. Toi, tu es un bon ami. Je t'ai dit que tu ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas ça. Sans toi. Ou bien. Oui. À te faire, on va essayer. Donc, mon frère. Non, t'inquiète. Merci, merci. L'argent de passer là, ça ne va jamais finir. Et d'abord. Non, maintenant, j'oubliais, j'ai commandé le maritime. Commande tout ce que toi, tu veux. Aha. 6 mois plus tard, Dewa a fini l'argent de parcel et il est devenu pauvre encore plus qu'avant. Mais je rêve quoi? C'est quoi? Ah, c'est mon grand frère ça. Grand frère! Grand frère! Grand frère! Oui, sœur. Ah, c'est dans un pays? C'est toujours le Bénin. Mais tu es grand. Toute ma vie a complètement changé. Je peux rien t'expliquer, ni t'aider au début d'assez comprendre. Moi que toi, tu as connu. Tu vois, voici ma moto. Actuellement, je suis une diamante. J'ai plus de femme. Ma femme m'a laissé. Avec tout ce que j'ai fait pour elle, elle m'a laissé. Tous mes amis m'ont fui. Je n'ai plus personne. Je n'ai même plus où dormir. Tantôt chez un ami, je dors. Tantôt, mon fils est bonatola à l'étau. J'ai cherché, même à contacter mon petit frère qui avait quitté l'Europe. Un peu pour mon numéro 3. Tu connais au moins là où il est? Oui. Je parle de mon petit frère Abyssin. Oui, oui. Et tu vas m'aider maintenant directement chez lui. Oui, oui. Tu es sûr? Oui, très sûr. Tu es dans le pied. Tu es le cœur pour moi, il voit. Tu jamais moi, c'est mon petit frère. Grand frère. Oublie ça. Ah! La vie, hein? Abyss là. Oui. Mon petit frère. Oui, bien sûr. C'est ici chez lui. Allons-y. Ah. Hi. Ah, grand frère. Bonjour, grand frère. Bonjour. Grand frère, comment tu vas? Ça va. Mais dans quel état tu es comme ça? Tu as quitté où comme ça? Non, c'est ma moto qui était en panne, j'ai raconté ma petite soeur. Mais tu as trouvé le trophée? Il a quitté où? Je ne sais même pas. Au bazar. Mais avec tout l'argent que tu as eu, comment tu as géré ça? Petit frère, bon, je ne suis pas venu ici pour ça. Ici. Les 5 millions que tu m'avais promis là, si tu peux me les donner là, ça serait bon. Non, mais je t'avais promis 5 millions pour qu'on ne vende pas la maison. Mais on a tout vendu déjà. Oui. On a tout vendu. Grand frère, comment tu as fait avec tout l'argent que tu as eu? Comment tu as fait ça? Tu m'avais dit que tu avais des projets, non? Comment tu as fait? Explique-moi, comment tu as fait? C'est les 5 millions que je... Au fait, j'ai plus les 5 millions maintenant. Ce que je peux te faire, je peux te donner 1 million. 1 million? Je peux te trouver 1 million. C'est bon aussi. Grand frère, avec tout l'argent là, mais ça m'étonne. Il a amené les 1 million. Mais vous rentrez, non, rentrez à la maison. Non, non, moi, je vais rester ici. Il y a 1 million simplement. Vous ne rentrez pas? Non, grand frère, moi, je vais aller au bout. Sinon, là, je vais donner l'argent. Je veux que tu t'amènes 1 million. Oui, 1 million. Tu vois, non? Allons, dans mes voitures. Il va sortir maintenant. Deo. Oui, petit frère. Ça, c'est le 1 million. Ça, c'est le 1 million. 1 million. Femme, toi, tu comptes. Ah, oh, merci beaucoup, mon frère. Non, c'est rien. Merci. Non, c'est toi, tu es notre grand frère. Tu n'as pas besoin de tout ça. On est des frères. Si c'est des gens là, ils vont se rappeler. Ils vont avoir se rappeler du passé. C'est 50 000. Merci beaucoup, petit frère. Dieu va te combler. On est des frères. Ah, oh. Je vais passer. D'ailleurs, je vais pas
On est toujours ensemble. Tu repasses, non? Oui. Salut, ma madame. D'accord. Je vais passer. C'est le 1 million. Oui. Merci beaucoup. Je vais passer. C'est quel abysse d'abord? C'est quel abysse? Un petit comme ça? Sans moi, est-ce que lui serait en vie aujourd'hui? C'était plus à face. Les parents avaient même conseil les trucs. Moi, on est là. Moi, qui suis son grand frère, je suis là. Et on lui a amené en Europe. Il a pas fait les études là-bas. Il est revenu et il vient me montrer qu'il est riche. Alors que j'étais tranquille et tu m'as promis 5 millions. C'est la vie, tu m'as dit ça. Et maintenant, c'est la vie et ça change. Il est tout qu'on changé. Je dis, madame, grand frère, et petit frère, les 5 millions, tu me dis, je sais pas, j'ai 1 million. C'est avec les 1 million là, moi, je vais te tuer maintenant, on va voir ici. Je vais te tuer plus. Je vais finir avec toi facilement, avec ton propre agent. Arrivé là-bas, là, je vais rouler soit pour toi, soit de tuer, pion. Tout d'abord, je vais pas laisser ici. En même temps.